ici aujourd'hui au Cinéma du Parc pour la conférence Évolution organisée par le collectif Tunisie au Canada. On est accompagné des Syriens, des Marocains, des Égyptiens, entre autres, et des Tunisiens bien sûr, pour nous sommes là pour parler des révolutions dans leurs pays respectifs. Et nous, on est ici 99% à Québec pour parler de ce qu'on fait, de nos efforts locaux ici pour amener le peuple québécois vers un éveil collectif suffisant pour une reprise de conscience d'abord et ensuite une prise de pouvoir ou reprise de pouvoir du peuple contre ses oppresseurs. Voilà. La Tunisie, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte. Et nous, nous sommes ici pour manifester notre solidarité justement avec ces peuples dans leur lutte qui n'est pas finie. Parce que, bon, on entend qu'il y a des élections, qu'il y a des islamistes qui ont gagné les élections, tout ça. Mais pour nous, étant que mouvement de 20 février,
on dit que c'est une farce parce que les vrais changements, ça vient sur la réalité pour concrétiser la dignité, l'égalité, la justice sociale, ce qui n'est pas encore le cas. La preuve, c'est qu'il y a encore des emprisonnements politiques, il y a encore de la torture, il y a encore le chômage, il y a encore l'alphabétisme. On est chantier d'économie sociale, un réseau d'économie sociale et solidaire au Québec, et aussi on a des liens partout dans le monde. Donc nous favorisons le développement et la promotion des entreprises qui sont non privées ou et non plus de l'État, mais qui émergent des collectivités dont les membres sont les propriétaires, donc les coopératives, les associations à but non lucratif partout au Québec. Il y a plus de 7000 entreprises d'économie sociale dans la province. En fait, je suis bénévole et aujourd'hui, on est là pour couvrir les conférences et les projections de documentaires à propos de la première année de la révolution tunisienne. Et là, on recueille des témoignages et on parle beaucoup à des bénévoles, à des volontaires, pour savoir leur opinion aussi sur les actualités, mais aussi comme qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Dans la situation, un survol de l'ensemble de tout ça, des conférences aussi. Moi, CUTV, c'est important pour nous de parler des choses dans les médias mainstream, comme on les appelle, ne parlent pas beaucoup, de regarder les nouvelles d'un autre angle. Donc, il y a des choses super intéressantes qui se passent dans le monde. Des fois, on les regarde d'une façon peuvent pas rendre compte de comment les gens vivent vraiment la situation. On les regarde d'une façon un peu préconçue, nord-américaine. On a des préjugés, puis souvent ça se reflète dans les médias. Nous, on essaie de parler au monde, d'être le plus possible terre à terre, d'aller voir les gens qui sont concernés par les nouvelles. Donc c'est ça, c'est notre mission d'être plus près des gens. On essaie juste de survoler là, ce qui se passe, puis aussi je trouve que c'est important de faire un lien entre mettons, la Tunisie et le reste du monde, donc autant les pays arabes, autant tout le reste du monde, puis jusqu'à Montréal ici. C'est important de se grounder un peu, de se dire, nous aussi, tu sais, des choses qui arrivent ici, ça nous touche, on se sent un peu emporté par ces événements, des révolutions à travers le monde, donc ça nous touche aussi. Que ce soit en Égypte, que ce soit en Maroc, que ce soit en Algérie, donc c'est vraiment un mouvement global qui va rejoindre aussi les indignés un peu partout au monde, parce qu'on a réalisé que finalement on a un seul ennemi qui est bien sûr le capitalisme sauvage et puis le néolibéralisme qui fait en sorte qu'une minorité de 1% exploite et puis qui exploite la 90% et puis au détriment d'une vie décente, de dignité, d'égalité, de justice des 90% de les gens sur la planète. Donc voilà, on est ici pour exprimer notre indignation et puis nos revendications pour que notre lutte continue pour l'avènement, la vraie démocratie, la vraie justice sociale, de la liberté politique, du droit politique, etc. Donc on continue et on collabore entre nous parce que c'est important de collaborer, de coordonner avec les autres mouvements, que ce soit à la Tunisie, que ce soit en Égypte. On est de la diaspora, on est au Canada, ok, mais on est ici pour représenter les luttes de nos peuples, mais aussi pour faire appel à la solidarité des peuples canadiens, québécois et puis nord-américains, et pour aussi souligner le double poids, double mesure
des mass médias officiels par rapport à ce qui se passe là-bas. Parce que malheureusement, il y a un certain marginalisme, une certaine négligence de ce qui se passe sur le terrain. On est là juste à appuyer les régimes jusqu'aux dernières minutes et puis à montrer le processus, la démocratie, des élections qui se passent comme quoi que ce printemps arabe qui a donné naissance à des élections. Mais tout ça, c'est une mascarade, c'est de la farce, c'est de la poudre aux yeux pour dire que, bon voilà, ça aboutit à des élections démocratiques, c'est pas le cas. Les peuples ils sortent encore et manifestent encore pour une seule raison, leurs revendications ne sont pas encore écoutées, ils ne sont pas encore exécutées. Donc c'est pour ça qu'on est ici. Moi, ce que je dis, c'est une excellente question dans la mesure où moi, j'ai toujours été un rebelle de naissance, hein, sans jouer sur les mots, ok. Et puis, j'ai trouvé, moi, ça fait des années, ça fait une vingtaine d'années que je dis aux gens, quand est-ce que vous allez vous réveiller ici en Amérique du Nord, ok. Quand est-ce qu'on va avoir en Amérique du Nord, ce qu'on appelle en France le mai 68, ok. Et puis là, j'étais vachement agréablement surpris de voir donc ce réveil-là, ce qu'on appelle des indignés, même s'il n'est pas né ici, il est né aux États-Unis, ok. Mais je trouve ça fantastique. Pour la première fois de ce que j'en sais, n'est-ce pas, pour la première fois de l'histoire du Québec, pour ne pas dire plus, n'est-ce pas, où des gens sont descendus dans la rue, ils ont cassé la baraque, quoi, sans avoir à taper sur le monde. Et ils étaient dehors, bon, etc. Et ça, je trouve ça absolument fantastique. Vous allez voir de ce que je dis, hein, moi, je suis très... Je prévois beaucoup les choses. Ça va faire partie de l'histoire du Québec. C'est absolument extraordinaire ce courage intellectuel que des gens sont descendus dans la rue. Puis je trouvais ça absolument fantastique.